Bonjour, cette semaine, je veux faire une Pokéball Pikachu. J'ai commencé par peindre la base, donc du jaune. Alors pour les figurines suivantes, j'ai utilisé de la bombe en spray, puisque ça évite d'avoir les traces de pinceau. Le mieux, c'est vraiment d'avoir un aérographe. Alors j'en ai un, enfin il appartient à mon copain, mais je peux m'en servir aussi. Mais on n'a pas d'extérieur, donc faire de l'aérographe dans le salon, c'est pas l'idéal. Pour savoir comment faire la base de la Pokéball, je vous renvoie à mes précédentes vidéos où je détaille beaucoup plus comment faire. Mais sinon, je voulais mettre le Pikachu sur une petite route, donc j'ai découpé dans du polystyrène extrudé. J'ai utilisé un rouleau de texture pour faire les pavés. Ça marche bien, mais je suis quand même revenue dessus par la suite avec une mine de crayon papier pour marquer un peu plus. J'ai ensuite fait la peinture avec une première couche en gris clair. Après, j'ai fait un wash foncé et ensuite un brush blanc et puis j'ai rajouté quelques petites touches de vert et le flocage. La version de Pokémon auquel j'ai le plus joué, enfin en tout cas celle que je me souviens le mieux, c'est la version jaune. Et dans la version Pokémon jaune, eh bien on rencontre Pikachu en sortant de Bourg-Palette. Donc du coup j'ai décidé de rajouter un petit panneau de commune Bourg-Palette en respectant bien la typo des panneaux de commune françaises. Et je trouve que cette idée, enfin je suis très fière de cette idée. Et puis après il reste plus qu'à fermer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle mes prochains salons. Je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous laisse avec le résultat final Kenavo.